Salut, c'est Manuel et bienvenue dans Mission Possible. Michael Exec Manuel, donc j'ai 20 ans, je travaille au comité départemental olympique et sportif de l'Orne en service civique, qu'on appelle aussi le 261. Mes missions sont de promouvoir les thématiques mixité, citoyenneté et éducation. Et je fais aussi des interventions par moment dans des écoles quand le Covid le permet. Ma première anecdote s'est déroulée en février. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai fait une intervention dans une école et je devais encadrer en fait des enfants dehors toute une matinée. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait de la neige et il faisait moins 7. Donc j'ai passé toute une matinée sous moins 7, être statique, encadrer des enfants. Et c'était assez frisqué. Ma deuxième anecdote s'est déroulée aussi en février. Dans une intervention dans une école, en fait, j'ai pu rencontrer Johan Biret, qui est du coup un sportif qui fait de l'handisport en haltérophilie. Et le fait d'avoir son témoignage durant une heure, et il nous a raconté en quelque sorte sa vie, son parcours, et c'était vraiment intéressant et assez émouvant. Pour la troisième anecdote, on a mis en place un escape game sur le thème des Jeux Olympiques. Et on l'a proposé en fait dans les écoles pendant la semaine olympique et paralympique. Et je trouvais que c'était une anecdote assez sympa à raconter parce que c'est vraiment le fait que les enfants étaient vraiment heureux de faire un escape game parce que c'est quand même un truc assez moderne. Et surtout sur la thématique du sport, bah ils étaient surpris et voir leur joie et à la fin le fait de leur donner un petit diplôme qui leur dit « Ouais, bravo, t'as réussi l'escape game ». Je trouvais que c'était un moment qui m'a marqué. Pour conclure, mon service civique m'a apporté quand même pas mal de maturité sur le plan professionnel. J'ai fait aussi pas mal de rencontres qui m'ont pas mal plu. Ça va être aussi un gros tremplin pour ma reprise d'études en septembre, car ça va être une reprise d'études dans le domaine sportif. Et c'est pile poil la thématique de mon service civique. Donc,